Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de choc miel. Alors aujourd'hui je vous présente une recette avec du poulet et une petite sauce moutarde avec un petit peu de vin blanc, de la crème, un petit peu de, de miel et du thym. Vous allez voir, tout simple et vraiment délicieux. Alors on va commencer par découper le poulet. Donc vous enlevez tous les morceaux de gras et vous faites soit des gros morceaux, soit des plus petits comme vous avez envie. Vous réservez tout le poulet et vous épluchez l'oignon. Vous allez le couper en tranches fines, euh, faire des petites tranches comme ça. Comme ça, ça cuit plus vite à, à la cuisson, c'est plus rapide. Ensuite, vous allez prendre un fait-tout, vous mettez l'huile d'olive à chauffer, hein, vous mettez les oignons sur un feu moyen avec du poivre et du sel, et euh, vous mélangez, il faut les faire suer comme ça pendant 3-4 minutes à peu près. Alors, quand les oignons sont cuits, vous allez pouvoir ajouter euh, les morceaux de poulet. Donc, euh, vous mettez tout et vous mélangez, vous les faites euh, dorer quelques minutes. Alors, ensuite, vous allez pouvoir ajouter le vin blanc. Alors, même si les morceaux de poulet n'ont pas vraiment fini de cuire, c'est pas grave, s'ils sont crus euh, encore à l'intérieur, c'est pas grave. Vous ajoutez quand même le vin blanc et vous allez remélanger, donc toujours sur un feu euh, moyen. Et euh, là, vous allez laisser euh, l'alcool s'évaporer, donc il faut que ça réduise. Euh, donc, vous laissez à peu près 4 minutes. Au bout des 3-4 minutes, vous allez pouvoir mettre la crème fraîche. Donc j'ai pris de la crème fraîche épaisse à 15% et euh, donc vous l'ajoutez, vous remélangez à nouveau donc sur le feu euh, vraiment très très doux. Hein. Faut baisser le feu quand on met la crème. Donc sur un feu doux, vous mélangez bien pour que ça se répartisse avec tous les morceaux de poulet et au bout d'une ou deux minutes, vous ajoutez euh, une grosse cuillère à soupe de moutarde forte et vous remélangez à nouveau. Alors, ensuite, vous allez pouvoir ajouter le miel au thym. Donc, si vous n'avez pas de miel au thym, ce n'est pas grave. Vous prenez du miel d'acacia, du miel de mille fleurs, euh, des montagnes, enfin euh, peu importe. Vous prenez celui que vous avez sous la main et euh, vous l'incorporez bien euh, avec le poulet. Ensuite, vous allez mettre le thym. Donc, moi j'ai pris du thym séché, mais si vous avez du thym frais, bon, bah, c'est toujours mieux. Et euh, donc, bah, après, vous, vous avez plus qu'à remélanger à nouveau euh, la préparation. Ensuite, vous allez couvrir donc votre poulet euh, avec un petit couvercle et vous laissez comme ça pendant à peu près 12 minutes, voire 15. Il faut que, ça, ça, que le jus réduise, que tout s'imprègne bien de toutes les saveurs. Et euh, ensuite, bah, au bout de 15 minutes, voilà, c'est c'est prêt. Alors pour accompagner euh, ce petit poulet euh, moutarde, vous pouvez faire euh, des pâtes. Donc moi, j'ai fait des, des petites coquillettes avec un petit peu de crème. Et bah vous avez plus qu'à mettre le poulet sur le dessus, de verser la sauce. Alors, si vous voulez pas les pâtes, bah vous pouvez faire avec du riz, c'est pas mal. Et puis, pourquoi pas des petites pommes de terre vapeur aussi. Ah oui, puis j'ai oublié de dire aussi, avec des haricots verts vapeur, c'est absolument délicieux. Donc, à vous d'essayer. Donc, vous pouvez retrouver toutes les proportions sur le blog www.chocmiel.com.